Hugolin courut à la recherche du papé. Il finit par le trouver dans sa vigne du vallon. Assis sur un escabeau qu'il transportait avec lui, il était occupé à retendre les fils de fer où devaient s'accrocher les sarments qui pointaient déjà. Le bruit de la course de son neveu lui fit lever la tête. Hugolin, hors d'haleine, inspecta d'abord les alentours, puis dit à mi-voix Le bossu est arrivé avec sa femme et sa fille. Tout un déménagement. Ils sont en train de s'installer. Bon, dit le papé. Va chercher mon panier, là-bas, dans le pételin, et mangeons un morceau, j'ai oublié de déjeuner. Hugolin s'assit au creux du sillon. Le papé, sur son escabeau, rompit le pain, coupa des tranches de saucisson, pendant que son neveu débouchait la bouteille et remplissait le verre. Alors, quel genre c'est cet homme-là Hugolin hésita une seconde et répondit C'est le genre d'un bossu de la ville, comme s'il s'agissait d'une espèce bien connue. Beaucoup de la ville En plein. Ils sont bien gentils tous les deux, mais ils disent des choses que c'est pas croyable. Lui, il trouve que les Chardons, il n'y a rien de plus beau, et il va leur tirer le portrait. Et sa femme Ça lui fait de l'émotion de regarder les gratte culs et ils disent que cette ferme, c'est le paradis. Alors, tu lui as parlé Hugolin, la joue gonflée, articula difficilement. Je l'ai aidé à décharger ses meubles, et il m'a fait boire du vin blanc. Il compte rester longtemps là-haut Jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il m'a dit. Il est malade Oh. Pas du tout. Il a des bras de forgeron. Il a apporté une charrette de pioches, de piques, des râteaux, des pelles, et veut faire le paysan. Il te l'a dit Mais oui. Et même que ces douze mille mètres, ça ne lui suffira pas, qu'il lui faut un hectare de plus, et il veut acheter le champ du boulanger. Il dit qu'il a des vastes projets. Alors, dit le papé, il connaît la source Non, dit Hugolin, je t'assure que non. Il connaît celle du plantier, qui est marquée sur ses papiers, mais la nôtre n'y est pas. Plusieurs fois, j'ai fait venir l'eau dans la conversation. Il a dit que pour boire, il irait la chercher au plantier. Et puis, il va faire agrandir la citerne. Galinette, euh, attention, il ne faut pas faire confiance aux bossus. Ils sont toujours plus malins que nous. Cette source, ce serait tout naturel que sa mère lui en ait parlé. N'oublie pas qu'il vient de Crespin et qu'il doit se méfier de nous. C'est peut-être un innocent de la ville, mais quand même, il ne parlerait pas de travailler deux hectares avec une citerne. Et qu'est-ce qu'il veut planter Des légumes, de la vigne, du blé. Et surtout, il dit qu'il va cultiver des lothentiques. Des lothentiques partout. Qu'est-ce que c'est Ça doit être une plante qui pousse dans les livres. Je vois ça d'ici. Il a dit, il faut être moderne. Je parie dix francs qu'il t'a parlé de la routine. Qu'est-ce que c'est Un mot de la ville. La routine, ça veut dire ce que les vieux nous ont appris, et d'après eux, il faut tout foutre en l'air parce que c'est pas moderne, et que maintenant on a inventé des miracles. Peut-être que c'est vrai De la pure coyonnade, dit le papé. Il y a vingt ans, je suis allé travailler en journée chez un gros Richard de Marseille qui s'était installé près de Gémenos avec des machines, des treuils et surtout des idées. À ah, celui-là, il en parlait de la routine. Et même, il en parlait si bien que j'avais presque fini par le croire. Alors il nous a fait planter cinq hectares de haricots nègres qu'il avait achetés à l'exposition coloniale. Et on y a mis des sacs d'un engrais chimique en poudre que ça coûtait plus cher que du tabac à priser. Ça alors, c'était pas la routine ces haricots, ils ont poussé d'une vitesse incroyable, ça montait d'un mètre par semaine. Au bout d'un mois, ils avaient dépassé les cannes, et là-haut, ça flottait dans les airs. Il fallait une serpe pour entrer dedans. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait De l'ombrage. Pas une gousse, pas une graine. Au bout d'un an, le monsieur a plié bagage. Il nous a dit Mes amis, j'ai compris, je retourne en ville. Mais si vous en voyez venir un autre comme moi, dites-lui de ma part qu'il y a trois façons de se ruiner les femmes, le jeu et l'agriculture. L'agriculture, c'est le plus rapide et en plus le moins agréable. Adécias. Et il est parti. C'est l'authentique de ton bossu. C'est sûrement quelque chose de ce genre. Ça ne donnera rien et il se découragera. Mais ça va encore nous faire perdre du temps. Au moins un an dit Hugolin soucieux. S'il connaît la source, deux ans et peut-être trois, parce qu'avec l'eau il poussera toujours quelque chose. Ces gens là de la ville, des fois, il y en a qui s'obstinent, jusqu'au bout de leur argent. Mais s'il ne la connaît pas, moi, je le vois partir au mois de mai prochain. Ce serait possible, dit Hugolin. Je pourrais commencer mon défonçage en octobre, mais trois ans, ça serait la catastrophe. Galinette, il ne faut pas toujours croire le pire. Moi, je te dis qu'un jour ou l'autre, tu verras revenir cette charrette pour faire le déménagement en sens contraire. Nous, étudions bien la situation et préparons notre plan. En réfléchissant, je crois qu'il ne connaît pas la source. Mais j'ai bien peur qu'Anglade ou Casimir, qui sont un peu parents avec lui, finissent par lui en parler, c'est ça le plus grave. De ce côté-là, ne crains rien, sa mère lui a fait la leçon sur les Bastides. Il va acheter son pain à Ruissatel. Et il m'a défendu de dire qu'il était de Crespin. Mais nous, nous le dirons, s'écria joyeusement le papé. Nous dirons que c'est un de Crespin qui a acheté la ferme, mais sans parler de Florette et sans dire son nom. Deuxièmement, toi, fais-lui de petits services. Quand on s'installe, on a toujours besoin de quelque chose. Donne-lui un coup de main, prête-lui mon mulet, ou peut-être des outils qui lui manquent, et surtout fais des gracieusetés à sa femme. Deux poignées d'amandes, deux grives, un panier de figues. Comme ça, il partira, il te vendra la ferme à toi plutôt qu'à un autre. J'ai commencé ce matin, dit Hugolin. Je lui ai dit que pour boire, il pouvait venir prendre de l'eau à mon puits, un arrosoir par jour. Mais je ne l'ai pas fait pour ce que tu dis. Alors pourquoi Hugolin parut gêné, ses yeux papillotèrent, ses paupières battirent trois fois. Puis, comme pour s'excuser d'une largesse gratuite, il dit très vite Tu comprends, s'ils avaient bu l'eau de la citerne, c'est sûr qu'ils seraient morts tous les trois, et moi, ça m'aurait embêté. D'avoir bouché la source, c'est pas criminel, c'est pour les œillers. Mais si à cause de ça, il y avait des morts, eh bien, peut-être qu'après, nous n'en parlerions pas, mais nous y penserions. Le papé sourit gentiment, et puis avec une sorte de tendresse apitoyée, il dit tu es tout le portrait de ta pauvre mère. Celle-là, elle se faisait tout le temps du mauvais sang pour les autres. Enfin, tu as bien fait, parce que si toute la famille mourait, on ne sait pas qui pourrait venir à sa place. Finalement, il vaut mieux lui qu'un vrai paysan. Et puis moi, je vais commencer tout de suite à le décourager. Je vais lui dire que les oliviers sont perdus, que la terre est pourrie de chiens dents, que les sauterelles mangent de tout, qu'il ne pleut jamais au romarin que la citerne sera toujours trop petite, qu'en hiver il gèle tous les matins, que le mistral... « Tais-toi, tais-toi » s'écria le papé. « Tu te trompes de chemin. Rappelle-toi que, même dans la tête des gens, c'est plus facile de la bourrer à la descente qu'à la montée. Dis-lui que les authentique, c'est formidable, que la pluie ne lui fera jamais faute, que le mistral, ici, c'est une brise, qu'il faut commencer tout de suite les vastes projets et pousse-le du côté qu'il va tomber. » Ah, je crois que ça sera facile, parce qu'il penche déjà tout seul et du mauvais côté. Mais j'aimerais bien que tu viennes le voir pour lui prendre mesure. Le papé réfléchit un instant tout en bourrant sa pipe. Non, dit il, non, il vaut mieux qu'il ne me connaisse pas. Un jour ça pourra nous servir. Quand Hugolin remonta chez lui vers trois heures, il entendit de loin l'harmonica. Il trouva le musicien assis sous le mûrier de Massacan entre deux arrosoirs tout neufs. Salut, voisin, dit le bossu. Vous voyez que je n'ai guère tardé à profiter de votre générosité. Vous avez bien fait, mais vous n'auriez pas dû m'attendre. Vous n'aviez qu'à vous servir. Comme c'est la première fois. D'ailleurs, je n'ai pas perdu mon temps car j'ai fait connaissance avec cet admirable paysage. Il montrait la vallée qui s'allongeait jusqu'à la mer, au pied de la chaîne lointaine de Marseille vert. Ma foi, dit Hugolin, moi, les paysages, je n'y connais guère. Celui là est bon, parce qu'il est grand, alors on peut voir venir le temps qu'il fera. Tout en parlant, il laissait descendre le seau au fond du puits. On l'entendit frapper la surface de l'eau. Hugolin saisit le brin descendant de la chaîne et secoua trois ou quatre fois. Il faut toujours faire ça, dit-il. Autrement le seau flotte et vous le remontez vide. Un bruit de ferraille monta du puits, puis un bref glouglou. -glou. Ça y est, il a chaviré. Il plonge. Il tira longuement sur la chaîne et vida l'eau brillante dans un arrosoir. Puis il demanda Ça marche votre toit Assez bien, mais il me manquera sans doute quelques tuiles et j'ai oublié d'en commander au muletier. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elles seront neuves et courtes, et qu'elles vont gâter la beauté de l'ensemble. Vous savez, dit Hugolin, un toit, ça ne se voit guère. Je sais bien, dit le bossu, mais tout de même. Tout de même. Hugolin vida un second seau dans l'arrosoir. Voilà, dit-il. Maintenant, servez-vous tout seul, parce que j'ai des plançons depuis trois jours dans la remise, et il faut les mettre en terre avant ce soir. Le bossu se confondit en remerciements. Il tira encore trois seaux, puis partit en se balançant entre les deux arrosoirs. Dix minutes plus tard, comme il repiquait devant sa maison des pommes d'amour, Hugolin entendit la charrette du messager. Elle gravissait à grand peine et grands cris les lacets du chemin qui montait vers lui. Un petit âne était attelé devant les deux mulets. Le chargement était recouvert d'une bâche verte, et tout cet équipage traînait derrière lui deux belles chèvres qui freinait des quatre pattes à demi étranglées par des licoles. Le fouet claquait, le muletier hurlait. Quand l'attelage arriva sur la planète, en face du mât, les bêtes s'arrêtèrent pour souffler, et le conducteur tira de sa poche un immense mouchoir grisâtre pour essuyer la sueur de son front. Hugolin s'avança. Oh. Collègue. C'est encore des meubles? Quelques uns, dit le muletier. C'est surtout des caisses de livres. Des caisses de vaisselle et de grandes malles pleines de linge et de costumes. Et des outils Pas beaucoup. Une caisse de vitre, des pots de peinture et une petite pompe. Hugo Lantica aussitôt. Et qu'est-ce qu'il va pomper Ça doit être pour la citerne. C'était plausible. Hugolin pensa s'il connaissait la source, il n'aurait pas besoin de pompe. Mais peut-être il ne sait pas qu'elle coule toute seule. En tout cas, j'irai voir où il la met, cette pompe. Allez, zou dit le muletier. Il faut que je redescende de bonne heure. Ma femme est en train de me faire un enfant. carogne. Le lendemain matin, la charrette reparut. Oh oh dit Hugolin, ça devient inquiétant. Il lui semblait en effet qu'une aussi grande accumulation de richesses enracinait à jamais ce bossu de malheur. Cette fois, le messager s'arrêta cinq ou six fois dans la montée avant de souffler sur la planète. La charge du véhicule, invisible sous la bâche, écrasait les ressorts. Ce coup-ci, dit le muletier, je ne sais pas si j'arriverai jusque là-haut. J'ai deux cents kilos de tuyaux de ciment et trois cents kilos de grillage. Il montrait du doigt la bâche qui ondulait sur de gros rouleaux. Qu'est-ce qu'il veut faire Une clôture il faut que je revienne encore demain pour en apporter d'autres, avec dix sacs de plâtre d'aubagne. Il faut qu'il soit bien riche, dit Hugolin. Je ne sais pas s'il est riche, mais en tout cas, il pèle bien. Tu crois qu'il restera longtemps là-haut N'en sais rien, dit le muletier. Tu ne sais pas ce qu'il a commandé Des tuiles vieilles, même un peu cassées, longues de trois pans. On n'en trouve plus des comme ça. J'ai peur qu'il soit un peu fada dans son genre. Tu sais dit Hugolin comme une excuse, il est de la ville, moi aussi dit fièrement le muletier qui habitait une lointaine banlieue. Je suis de la ville, mais je ne suis pas fada pour ça au contraire, à propos c'est un garçon, quel garçon, mon petit que je t'ai parlé hier, c'est un garçon, il pèse quatre kilos et demi. Je te félicite et bravo pour ta femme. Il s'appelle Bruno parce que son parrain c'est le frère d'Ernestine. Un type formidable. Il boit dix litres de vin par jour, et le soir aussi frais que le matin. Il faut te dire qu'il est forgeron. Formidable. Et alors, par bonheur, le second mulet mordit la queue du premier, qui répondit par une ruade et démarra brusquement. Ô oh, sainte Vierge, dit le muletier. Il s'élança en faisant claquer son fouet et en criant d'injurieuses questions à l'adresse de l'agresseur. Hugolin les regarda partir et soudain, un mot de la conversation le frappa. Cinq minutes après, comme d'habitude. Le charretier y avait parlé de gros tuyaux de ciment. Qu'est-ce qu'il comptait faire ce bossu avec ces tuyaux Des tuyaux, ça sert à conduire de l'eau. Quelle eau Il fut terrorisé. Le papé, une fois de plus, ne s'était pas trompé. Le bossu connaissait l'existence de la source, et il allait installer ses canalisations pour irriguer deux hectares. C'était ça les vastes projets. Puis il se raisonna ce bossu était plutôt prétentieux, mais sympathique il n'avait pas l'air d'un menteur. Mais l'air ce n'est pas toute la chanson. Et puis, les de Crespin, est ce qu'on peut se fier à quelqu'un de Crespin? Il était resté sur place, les bras ballants, la bouche entr'ouverte. Tantôt il regardait l'horizon, tantôt le bout de ses souliers. Enfin il décida qu'avant de désespérer, il serait raisonnable d'attendre le retour du transporteur, et il revint à ses plançons. Vers midi la charrette vide reparut. Il l'arrêta au passage. Qu'est-ce que c'est ces tuyaux que tu lui as portés Des tuyaux de ciment gros on y passe le point dedans. Il y en a beaucoup, trente mètres ou peut-être quarante. Et à quoi ça sert, ces tuyaux? D'habitude, c'est pour l'eau. Alors Golin, énervé, cria Mais il n'y en a pas de l'eau. Peut-être c'est pour la citerne, pour amener la pluie qui coule sur le chemin jusqu'à la citerne. Il te l'a dit? Non, il ne m'a rien dit. Et puis, avec lui, il ne faut pas chercher à comprendre. Et en plus, je m'en fous. Allez, Zou, à Desias, collègue. La charrette prit la pente. Trente mètres et peut-être quarante, ça coûte une fortune. On ne fait pas des frais pareils pour rien. Il m'a sûrement couillonné. Il plantait maintenant des gousses d'ail qu'il enterrait du bout du soulier. Peut-être un jour il est venu par les collines, quand il a su qu'il héritait. Il, il s'est bien caché, et il nous a vus en train de la boucher. Pour le moment... Il fait celui qui ne sait pas et puis un beau jour il m'invite "Oh collègue, venez un peu voir ce que j'ai trouvé". Et il me fait voir un ruisseau qui coule comme les pompiers. Et en plus il ramasse tout d'un coup le bouchon de bois et il me dit "Qui est-ce qui a la mis ce bouchon Qui est-ce qui a voulu me voler ma source Tu es le dernier des saligots et je vais tout dire aux gendarmes. Ça serait le bouquet. Il enfouit encore quelques gousses et dit à voix basse "Non non, je me fais des imaginations." C'est bien plus simple. Sa mère lui a dit la source, il va la déboucher et il ne partira jamais. Avec l'eau et avec cette terre, si tu plantes un tuteur pour les pommes d'amour, huit jours après tu peux dormir à l'ombre. Il va faire des fraises comme des lanternes, des coucourdes comme des roues de charrette, des olives comme des abricots, et des vastes projets formidables. Et pour les œillets, c'est foutu. Il donna encore quelques coups de râteau, et puis il dit tout à coup ces tuyaux, il faut que j'aille les voir. Il vaut mieux savoir tout de suite. Il lâcha le manche de son outil et courut vers son écurie où le mulet du papé dormait debout. Jean Cadoré, dont les conceptions étaient chimériques, apportait à leur réalisation une indomptable énergie et une application minutieuse. La force et l'endurance des rêveurs sont parfois comparables à celles des aliénés. Son manuel de couverture et plomberie était posé sur la fêtière du toit. La truelle à la main, les pieds nus et un œil à demi fermé par des piqûres de guêpe, il scellait les vieilles tuiles. De temps à autre, penché au bord de la gouttière, il laissait descendre au bout d'une ficelle un seau à confiture que la petite fille remplissait de mortier. Malgré la ridicule faiblesse de ses moyens, il avait déjà remis en état plus de la moitié des tuiles, et il était tout glorieux de son ouvrage comme tous ceux qui découvrent un jour l'intérêt et le plaisir des travaux manuels. Comme il essayait de faire une fois de plus le compte des tuiles manquantes, il vit arriver sur le sentier le squelette d'un immense mulet qui portait sur un bas deux grandes poches de sparterie. Hugolin suivait cet animal famélique, il l'arrêta devant la terrasse et s'écria gaiement. Salut. Bonjour, monsieur Jean. Salut, dit le bossu. Regardez ça, dit Hugolin. Et il tira de l'une des poches du bas une longue tuile provençale qui paraissait bien vieille, mais qui était entière. Et où donc portez vous ces tuiles? Ici, dit Hugolin. Je les avais dans un coin de l'écurie depuis des années. Et puis, après ce que vous m'avez dit hier, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Alors je vous les apporte. Voilà un second geste d'amitié que je n'oublierai pas, dit le bossu. Il descendit aussitôt de son toit et vint lui serrer la main. Puis tous deux rangèrent les tuiles amicales au pied du mur. Pendant ces quelques allées et venues, Hugolin cherchait des yeux les tuyaux. Il les découvrit, bien rangés, dans l'écurie, son toit, auprès de rouleaux de grillage. Le bossu l'invita ensuite à boire un pot de vin blanc. Il accepta sans façon, et ils allèrent s'asseoir sous la treille. J'ai pensé, dit Hugolin, à votre problème de l'eau. La citerne peut vous servir à faire un peu d'arrosage, mais elle sera bien vite à sec. Et votre toit n'est pas très grand. Seulement quand il pleut, il passe beaucoup d'eau là-haut sur le chemin. Si vous aviez des tuyaux, des tuyaux en ciment un peu gros, vous feriez une petite conduite, depuis là-haut jusqu'à la citerne, et elle serait pleine à tous les coups. Voilà une bonne idée, s'écria le bossu, et des tuyaux, justement, j'en ai reçu ce matin. C'est une chance, dit Hugolin, mais qu'est-ce que vous comptiez en faire? Ça, dit le bossu avec un mystérieux sourire, c'est encore un grand secret. Ça y est, pensa Hugolin, sûrement il connaît la source. Il a eu un drôle d'air pour dire un grand secret. Oh, il se fout de moi, c'est sûr. Mais il essayait de sourire aimablement. La femme sortit de la maison avec une bouteille et deux verres, sur un plateau comme au café. Hugolin se leva pour saluer. Elle était toute souriante et belle et propre. Ses cheveux d'or sortaient d'un chiffon noué qui lui faisait deux petites cornes sur le front et qui était aussi joli qu'un chapeau. Elle portait un long tablier serré à la ceinture. Il montait jusqu'à ses épaules. Ce vêtement d'un bleu très clair était bordé de dentelle d'un jaune pâle. Excusez moi, dit elle, de me présenter dans cette tenue, mais j'ai encore beaucoup de travail dans la maison, et le simple nettoyage exigera encore au moins une semaine. Hugolin ne comprit rien à ces excuses, car le chiffon noué et le tablier lui paraissaient le comble de l'élégance. Il la salua, et sortit de ses poches plusieurs poignées d'amandes qu'il jeta sur la table. « Je vous ai apporté quelques amandes pour la petite fille, » dit-il. « Comme c'est aimable à vous, » dit Aimée. Oh, « Vous nous faites un bien grand plaisir. »« Manon, » cria-t-elle, « va chercher le casse-noix. »« Ce n'est pas la peine, » dit Hugolin, « ce sont des princesses, on les casse entre deux doigts. » La petite Manon accourut. Hugolin voulut caresser ses boucles dorées. Elle fit un bond en arrière en repliant ses bras sur sa poitrine et courut cacher son visage dans le luxueux tablier. Excusez-la, dit sa mère, elle est un peu sauvage parce qu'elle ne vous connaît pas encore. Il bouillait d'impatience et d'inquiétude. Comment en revenir à ces tuyaux Il rassembla son courage et dit carrément. J'ai vu passer un beau chargement qui venait chez vous. Vous allez refaire la clôture Eh oui une clôture un peu spéciale elle doit descendre à zéro mètre soixante sous terre ah oh, dit hugolin vous avez peur que les lapins viennent manger vos légumes le bossu l'index levé prit un air mystérieux pour dire vous brûlez vous vous trompez simplement sur la direction des lapins hugolin fronça les sourcils cligna des yeux trois fois de suite et dit je ne comprends pas le bossu regarda sa femme on le lui dit. Si tu veux, pourquoi pas, soit. Il entra dans la maison. Hugolin pensait. La direction des lapins. Qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, il a dit que les tuyaux, c'était un grand secret. Et cette femme qui sourit toujours, c'est sûr qu'elle se fout de moi. Et cette petite qui me regarde de loin comme si j'étais une bête féroce. Finalement, je n'y comprends plus rien. Et ils sont trop malins pour moi. Le bossu reparut, une brochure à la main. Il s'installa commodément, les coudes sur la table, le menton entre ses mains. Je vous ai déjà laissé entendre, dit-il, que j'avais des projets d'une assez grande envergure. De vastes projets. C'est cela même. Eh bien, je vais vous les révéler aujourd'hui. Il prit le ton d'un conférencier. Ce qui m'a attiré ici, c'est d'abord mon amour de la nature. Mais quoique je ne manque pas d'argent en ce moment, j'ai une famille à nourrir et je dois assurer l'avenir de ma fillette. C'est pourquoi le philosophe que je suis a voulu concilier son désir de la vie naturelle et l'obligation où il se trouve de faire fortune. De ce discours, Hugolin ne retint que les derniers mots. Il avait l'intention de faire fortune. Faire fortune au romarin Avec quoi Sûrement pas avec ses oliviers à demi-morts ni ses amandiers à l'agonie, ni avec des légumes, ni avec du blé, ni avec du vin. Il connaissait donc la source, et il voulait peut-être planter des œillets. C'est pourquoi, par une contre-attaque désespérée, il dit ⁇ Vous savez, ici, les fleurs, même si vous aviez une belle source ?⁇ Quelle fleurs ??⁇ dit le bossu d'un air surpris. Croyez-vous que j'espère faire fortune en vendant des églantines ou des chardons Et quelle source vous savez que celle que je possède est bien loin d'ici. Il avait l'air sincère, mais Hugolin se disait. Et les tuyaux, qu'est-ce que tu veux en faire de ces tuyaux Qu'est-ce que c'est le grand secret L'orateur continua. Vous pensez bien que je ne parle pas à la légère, et que mon plan a été mûrement réfléchi et parfaitement mis au point. Ce plan, le voici. Sa femme sourit orgueilleusement, mais ne dit rien je vais d'abord installer quelques petites cultures familiales poireaux tomates pommes de terre cerfeuilles ceci sera facile que tu dis pensa hugolin mais il approuva hautement rien de plus facile une heure de travail par jour dit le bossu quand le potager sera planté vous pourrez mettre une demi-heure c'est un peu ce que j'espérais mais dit aimée la citerne est bien petite et si nous n'avons pas assez d'eau pour arroser comme il faut Ma foi, dit Hugolin en souriant, vos légumes seront plus petits. Mais quel parfum Et quel goût Tant mieux, dit le bossu. Ce que je cherche, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Hugolin prit un air convaincu. Oh Pour la qualité, vous l'aurez. Cette question est donc réglée. D'un simple geste, comme pour balayer la table, il assura instantanément la nourriture de toute sa famille, et continua. Après ces cultures alimentaires, il me faudra préparer d'importantes récoltes, indispensables à l'élevage massif du lapin. Massif? dit Hugolin. Comment ça, massif? Vous voulez dire des gros lapins? Mais non, s'écria Aimé, nous voulons dire plusieurs centaines de lapins par mois, en attendant plusieurs milliers. Aimé, dit son mari, n'exagérons rien, pas de chimère, restons dans les limites du bon sens. Il ouvrit la brochure sur une double page et mit sous les yeux d'Hugolin un tableau dont les colonnes étaient noires de chiffres. Regardez ceci. Hugolin regarda, fronça deux fois les sourcils et déclara ⁇ Je ne comprends rien. Naturellement, je sais très bien lire, mais les numéros, ça m'embrouille. ⁇ eh bien, moi, dit le bossu, je les comprends fort bien, et je vais vous dire ce qu'il signifie. Il signifie qu'à partir d'un seul couple de lapins, un éleveur moderne peut obtenir dès la fin de la troisième année une production mensuelle de cinq cents lapins. C'est du moins ce qu'affirme un spécialiste. Hugolin tiqua trois fois de suite, se demanda un instant si le bossu ne plaisantait pas, mais il vit un visage grave un visage de technicien de la ville. Et il pensa au conseil du papé. Il fallait le pousser du côté qu'il va tomber. C'est pourquoi, tout en parpelé Jean, il prit une mine d'admirateur stupéfait et il dit Ça, c'est formidable. Cinq cents lapins par mois. Cela vous étonne, dit le bossu. Pourtant, des lapins, vous en avez vu et vous en avez sans doute élevé. J'en ai toujours six. Eh bien, Malgré votre expérience, vous ne me semblez pas avoir une idée exacte de la fécondité de ces rongeurs. Ce technicien, et il brandissait la brochure, affirme qu'un élevage qui dépasserait 5000 têtes deviendrait un danger public, car à partir de 1000 mâles et 5000 femelles, l'éleveur se trouverait submergé par un flot de 30 000 lapins dès le premier mois, qui dépasserait 200 000 à partir du sixième mois, et 2 millions par mois à partir du dixième, toute une province, et peut-être tout un pays, en serait réduit à la famine et à la mort. Hugolin, les sourcils relevés, regardait ce magicien maléfique, et voyait ses champs de lentilles et de pois chiches dévastés pendant que des lapins enragés grimperaient dans les jambes de son pantalon. Vous croyez ça? dit il. L'Australie. Dit soudain Aimé. Parle lui de l'Australie. En effet, dit le bossu. Il prit le ton d'un conférencier. Ce malheureux continent, quatorze fois plus grand que la France, a failli périr à cause d'un seul couple de lapins apportés par un émigrant. Ces rongeurs ont rasé les champs et les prairies, et il a fallu construire pour sauver le pays une barrière électrifiée de deux mille kilomètres de long. Maintenant, ils continuent à se multiplier dans la partie inhabitée de l'île. La race est devenue énorme, et quand il n'y a plus assez d'herbe, ils savent grimper dans les arbres. Dans les arbres dit Hugolin, incrédule mais épouvanté. Oui, monsieur, et il broute des forêts entières. C'est ce genre de lapin que vous voulez amener ici Non, heureusement non. D'ailleurs, je pense que la force et la nocivité de cette race sont dues au climat australien. Ici, en deux ou trois générations, ils deviendraient certainement semblables à nos lapins des champs. En plus gros, évidemment. Heureusement, dit Hugolin. Alors vous comptez en faire cinq cents par mois? Mais non, mais non, dit le bossu, sur le ton d'un homme qui ne croit pas aux chimères. Non, il faut être modéré en toute chose de la mesure de la mesure. Les chiffres que nous propose ce technicien sont sans doute exacts mais ce ne sont que des chiffres, et il arrive que la réalité leur donne un démenti. Cependant, vous conviendrez avec moi que si je réduis ces prévisions au quart, je suis absolument sûr de mon affaire. Je compte donc obtenir cent vingt-cinq à cent cinquante lapins par mois d'ici deux ans, et je limiterai mon élevage à ce chiffre. Pourquoi, dit plaintivement Aimé, tu m'avais dit au moins deux cent cinquante Il posa tendrement sa main sur l'épaule de son épouse et dit en souriant :« Les femmes, mon cher voisin, ont toutes les qualités, sauf le bon sens. Ma chère amie, il faut maîtriser l'enthousiasme en tenant à deux mains les rênes de la raison. » Nous garderons seulement dix mâles et une centaine de femelles qui nous assureront mille cinq cents naissances par an. Ce sera bien suffisant. Pour sûr, dit Hugolin, ça vous donnera déjà un brave travail. Rien que pour nettoyer les cages, ça ne se fait pas tout seul. Le beau prit un air triomphal et dit Je vous attendais là, eh bien oui, ça se fera tout seul. Mais comment, ces lapins sauvages ont-ils besoin que quelqu'un nettoie leur terrier c'est vrai, ça, dit Hugolin, mais ils ne sont pas dans les cages. Vous y êtes, cria le bossu. La grande erreur des éleveurs, c'est la cage. Et la cage, serre monsieur, c'est la routine. Bravo, pensa Hugolin. Il l'a dit, ça va faire plaisir au papé. Et la routine, la plus absurde, car cette captivité du lapin est la cause de toutes les maladies. Et d'ailleurs, que faisait le roi Louis XI lorsqu'il voulait réduire un cardinal à son squelette il le mettait dans une cage. L'histoire nous le dit. Elle ne l'avait pas dit à Hugolin, qui ne voyait pas du tout le rapport entre un cardinal, un roi, un squelette et des lapins. Mais le bossu continuait. Moi, je vais établir un grand parc. Je ferai un élevage moderne. Un élevage en plein air. Bravo dit Hugolin. Ça c'est intéressant. Puis il pensa qu'il serait adroit de formuler quelques restrictions anodines qu'il pourrait rappeler plus tard au moment de la déconfiture. Avez-vous pensé au renard? Il y en a beaucoup ici, pas mal, hein, il y en a pas mal. Il n'en manque pas. Vous oubliez la clôture? dit Aimé. Elle aura presque deux mètres de haut, en fil de fer galvanisé. Ah, alors, dit Hugolin, rassuré, deux mètres. Galvanisé? Détrompez-vous, dit sévèrement le bossu, détrompez-vous. Un renard franchit aisément une clôture de deux mètres. Mais, mais j'ai prévu des terriers artificiels. Souterrains, bien entendu, et dont l'entrée sera faite d'un tube de ciment. Le cœur du gaulin trembla de joie. Voilà les tuyaux Tube, poursuivit le bossu, dont le diamètre qui permettra le passage d'un lapin sera inférieur à celui de la tête d'un renard. Le carnassier ne pourra pas agrandir l'entrée pour y pénétrer, et mes lapins, en toute sécurité, se moqueront de lui. Ça, dit Hugolin, c'est encore une bonne idée. Et moi, dit malicieusement le bossu, pendant ce temps-là, que ferais-je Oh oui, que feras-tu dit Aimé. Eh bien, moi, j'aurai tout simplement installé mon lit devant la fenêtre de notre chambre, et par les nuits de pleine lune, pendant que les gloutons dessus s'écorcheront le museau contre les entrées de ciment, avec le vieux calibre 16 de mon père, cruellement chargé de chubrotine, je leur briserai la nuque à tous les coups, et la vente des peaux de renard s'ajoutera au bénéfice que nous avons prévu sur les peaux de lapin. La petite fille battit des mains, tandis qu'Aimée, radieuse, disait Moi, je retiens les cinq premières peaux pour me faire une pèlerine. Non, pas les premières, dit le bossu, avec une grande autorité. Il nous faudra attendre le milieu de l'hiver pour avoir des fourrures au poil de rue et solidement plantées. C'est ça, dit Hugolin, les meilleures, c'est celles de la fin décembre. C'est donc promis pour la fin décembre C'est donc promis pour la fin décembre, mais pas avant. Tout ça, c'est très bien, dit Hugolin, mais ces lapins, qu'est-ce qu'ils mangeront C'est là que je vous attendais. Et vous avez raison de poser la question, car c'est évidemment la question principale. Eh bien, mon cher voisin, voici ma réponse. Tout d'abord, dans le parc qu'ils habiteront, je vais semer du sainfoin et du trèfle qui enrichiront l'herbe naturelle de ce terrain. Ma fille et sa mère iront deux fois par jour en promenade et rapporteront à brasser les herbes des collines qui parfument la chair. Et surtout, surtout, et c'est la grande nouveauté, et la clé même de mon système, j'ai ceci. Il fouilla dans sa poche, en tira quatre grosses graines d'un noir brillant. Dans le creux de sa main, il les présenta à Hugolin, qui les examina et dit :« C'est des graines de pastèque. »« Oh non !» dit le bossu avec un mystérieux sourire. « Oh non !»« Alors, dit Hugolin, c'est des antiques Le bossu prit un temps et dit à voix basse. Authentique. Mais évidemment, c'est la graine parfaitement authentique de la Cucurbita melanosperma qui nous vient d'Asie. Ça s'appelle comme ça là-bas Non, c'est son nom savant, son nom latin qui signifie la courge à graines noires. Cette plante, mon cher voisin, pousse avec une rapidité magique. Sous le climat tropical, après la saison des pluies, ces tiges rampantes s'allongent de 30 à 40 centimètres par jour. Nous ne sommes évidemment pas sous un climat tropical. Heureusement, dit Aimé. Et nous n'avons pas, à proprement parler, de saison des pluies. Vous savez, dit Hugolin, il pleut tout de même beaucoup ici. Pas très, très souvent, mais quand ça tombe, ça tombe bien. Je vais vous donner des chiffres, dit le bossu. Il tira de sa poche un carnet à la couverture de toile cirée noire. Selon les statistiques des 50 dernières années établies par les savants de l'Observatoire de Marseille, les chutes d'eau dans notre région atteignent 52 cm par an. C'est-à-dire que si le fond de ce vallon était imperméable et entouré d'une margelle, il serait, à la fin de l'année, entièrement recouvert par un lac d'une profondeur uniforme de 52 cm. Et au bout de cinq ans, la table de votre cuisine naviguerait en frôlant le plafond. Hugolin, submergé, déclara, ça, je m'en serais jamais douté. Les chiffres sont là, dit le bossu. Il est vrai que ces 52 centimètres contiennent les pluies d'hiver qui ne nous intéressent pas, mais voici ce qui nous est dû par le ciel pour les mois de la végétation. Avril, six jours de pluie. Mai, cinq jours. Juin, quatre jours. Juillet, deux jours. Août, trois. Septembre, six jours. Octobre, six jours. À mon idée, dit Hugolin, c'est tout à fait ça. Toutefois, reprit le bossu, il ne faut pas se dissimuler que ces pluies, parfois capricieuses, ne seront pas tout à fait suffisantes pour que cette cucurbitacée généreuse nous donne son plein rendement. Je n'espère donc pas une croissance tropicale. Non, je renonce même à 25 cm et j'admets que nous ne dépasserons pas 15 cm. Toujours pessimiste, dit Aimé il faut l'être affirma le bossu quand on veut s'épargner de pénibles désillusions ce n'est pas un jeu ma chère aimée songe que nous sommes condamnés à la réussite avant trois ans sous peine de retour à l'enfer des villes donc je dis quinze centimètres ce qui est déjà très beau et puis dit hugolin cinquante centimètres par jour ce serait pas commode au bout de six mois pour cueillir les courges il faudrait aller jusqu'au village et si les tiges se tricotaient alors on n'en sortirait plus parfaitement raisonné. Mais alors, dit Aimé plaintivement, nous n'aurons pas cent kilos de course par pied Cent kilos, dit Hugolin, stupéfait. Oui, dit le bossu, c'est le rendement normal de la plante chez elle. Ici, le bon sens nous dit que, même avec des soins attentifs, notre moyenne ne dépassera pas cinquante à soixante kilos. Ce serait déjà magnifique, dit Hugolin, mais vous n'avez que quatre graines. C'est qu'il est très difficile de s'en procurer. Je dois celle-ci à l'amitié d'un navigateur marseillais. Je vais les planter sous abri et les soigner comme la prunelle de mes yeux. Il me sera ainsi possible d'étudier leur comportement avant d'entreprendre la grande culture. En cinq ou six mois, elles me donneront une bonne centaine de courges, c'est un minimum, c'est-à-dire assez de graines pour ensemencer un hectare. C'est ce que nous ferons l'an prochain. Dans dix-huit mois, la récolte est le début de l'élevage massif. Une entreprise comme celle-là ne s'improvise pas. Il faut compter trois ans pour qu'elle atteigne son plein rendement. Nous avons de quoi tenir jusque-là. Il avait parlé avec une si grande certitude qu'Hugolin en fut consterné. Trois ans Heureusement, pensa-t-il, qu'il ne connaît pas la source. Eh bien, mon cher voisin, qu'en dites-vous hum, C'est très intéressant, dit Hugolin. Mais ces courges, est-ce que c'est bon à manger Délicieux, dit le bossu, comme s'il en faisait sa nourriture habituelle. De plus, l'écorce qui entoure le fruit est si dure et si parfaitement imperméable, qu'il est possible de les conserver plusieurs années sans que la pulpe en soit altérée. La courge reste aussi fraîche et aussi nourrissante qu'au jour de sa cueillaison. C'est bien dommage, dit Hugolin, qu'on ne fasse pas connaître ça aux paysans. Oh. Oui, dit Aimé, c'est bien dommage. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit Hugolin, mélancolique. « Nous autres, on a guère de livres. »« Ce sont nos vieux qui nous apprennent. »« Ça fait qu'on reste dans la routine. »« Ah, la routine, c'est terrible. »« Enfin, » dit le bossu charmé, « voici un vrai paysan qui en convient. »« Eh bien, puisque vous êtes en état de comprendre, je vous ferai cadeau de quelques graines. »« Aujourd'hui, je ne possède que ces quatre, mais dans six mois... » Le problème ne sera plus de trouver des graines, mais d'arrêter leur prolifération. — Alors, dit Hugolin, si vous ne pouvez arrêter ces lapins, ni les coucourdes, je me demande où nous allons. — À la fortune, dit le bossu, et sachez qu'en reconnaissance de votre gentillesse spontanée, je vous y mènerai par la main avec moi. — Il le mérite, dit Aimée, et elle versa deux grands verres de vin blanc. À propos, dit Hugolin, j'ai pensé à votre affaire pour le champ du boulanger, et puis finalement je ne lui ai rien dit. Pourquoi Parce qu'hier, au cercle, ils ont parlé de vous. Ils savent qui vous êtes, n'est-ce pas Qui leur a dit Ça, je n'en sais rien. Dans les villages, on surveille, on parle. Alors, un vieux a raconté la bataille du mariage de votre mère. Mon père m'en a fait le récit plusieurs fois, dit le bossu. Mais il en parlait en riant. Eh bien, eux, ça ne les a jamais fait rire. Que la plus jolie fille du village soit partie avec un de Crispin, pour eux, c'est toujours une trahison. Comme c'est mesquins dit Aimé avec mépris. Une rancune aussi stupide, dit le bossu, prouve qu'elle a eu mille fois raison de quitter cette bande de péquenots que je n'ai jamais eu l'intention de fréquenter. Je vous l'ai déjà dit. Aimé était pâle de colère. C'est un très grand honneur que leur a fait mon mari de venir habiter ici. Vous le leur direz de ma part. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont comme ça. Remarquez bien qu'ils n'essaieront pas de vous faire du mal. Si vous ne leur dites rien, ils vous laisseront bien tranquille. Mais pour le champ, je vais essayer de le louer en disant que c'est pour moi, et je vous le passerai. Et puis j'ai pensé autre chose. ruissa t elle C'est loin pour les provisions. Alors, si ça peut vous rendre service, moi j'ai lits qui vient trois fois par semaine faire mon ménage. Vous n'aurez qu'à me donner la liste des commissions. Elle vous rapportera tout ce que vous voudrez. Mon cher voisin, dit le bossu, j'accepte encore une fois votre offre généreuse parce que, en ce moment, il nous faut compléter notre installation et nous n'avons pas de temps à perdre. Soyez d'ailleurs assuré que quand le temps sera venu, je vous témoignerai ma reconnaissance autrement que par des paroles. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.